Tout le monde était inquiet et on commençait à appeler « Kali, Kali, mais enfin où es-tu? Où te caches-tu? On ne te voit pas !» Quand on entendit une toute petite voix « Je suis là, je suis aux toilettes, » dit Kali. « Ah, ça va, tu es aux toilettes. » Bon, tout le monde attendait. Et au bout d'un moment qui dura très longtemps, on vit sortir ceci. Et là, ne riez pas, parce que c'est assez terrible de voir sortir la Kali comme ça. Tout le monde la regardait et se disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On aurait dit vraiment que c'était une momie. Non, non, vous parlez. Mais enfin, Kali, qu'est-ce que tu fais entourée comme ça? Et d'abord, c'est quoi? C'est du papier coucou. Ben, c'est quoi le papier coucou? Bah, le papier coucou. Normalement, on dit du papier cul, mais les grands, ils n'aiment pas. Donc, on dit du papier cucu ou du papier coucou. Mais pourquoi tu t'es mis tout ce papier sur la tête? On dirait une momie. Mais c'est parce que dans les toilettes, il y avait plein de chocolat, il n'y avait pas assez de bave d'escargot. Alors le chocolat, il a coulé partout sur ma tête et sur mes cheveux et de partout. Donc j'ai voulu m'essuyer, c'est resté collé. Et c'est resté collé. C'est pas grave, dirent les filles. Regarde, on va t'aider à l'enlever. En 2 minutes, il n'y aura plus rien. Ah, voilà les garçons. Alors, vous avez trouvé de quoi manger? Rien du tout. Enfin, si, on a trouvé quelque chose. C'est ce gros sac-là, énorme, ce gros sac plein d'escargots vivants. Mais il va falloir les faire cuire. Il est impossible de faire du feu sur ma planète. Si vous faites du feu, il y a tout qui fond. La planète plutôt Mars, elle va couler, il n'y en aura plus. Alors, dit Pépito, je ne vois qu'une solution. On va tous remonter sur le tapis et on va tous s'envoler à nouveau sur la planète pour essayer de trouver soit la Terre, soit un autre endroit. Ici, ce n'est vraiment pas agréable. Allez, les enfants, tout le monde sur le tapis, on y va. Et on laisse... Non, on le laisse pas, Mumus. Allez, on l'appelle Mumus. Mumus. Ouah, ouah, ouah. Mumus est arrivé, collé de bave d'escargot. Il avait l'air content, on ne sait pas pourquoi. Il s'assit au milieu des enfants. Le chien, bien entendu, Jingle, était là avec sa couche culotte sur la tête. Je ne vous le refais pas, vous l'avez vu dans la séance précédente. Et tout le monde s'accroche au tapis. Et Billy Billy leur dit... Au revoir les amis, au revoir, allez, faites mon voyage, à bientôt les amis, à bientôt. Et le tapis, il monte. Et pour savoir ce qui va se passer après, il faut attendre demain. Mettez vos commentaires sur la vidéo et à demain, connectez-vous sur ma chaîne. Bye bye.